X-Men, comment ça s'est passé cette prestation au club Section Zouk et puis à Paris déjà? Tu vis à Paris ou... Je vis un petit peu entre les deux, ouais. Mais on va dire que ces temps-ci, je suis plus à Paris qu'en Martinique. D'accord. Et bon, ça s'est super bien passé, hein. Franchement, étonné, un petit peu étonné. Comme à chaque fois d'ailleurs, les gens connaissent les sons par cœur, ils viennent nombreux. C'est excellent, franchement, ça fait super plaisir. J'ai constaté que tu faisais beaucoup l'unanimité. Les gens t'aiment beaucoup. Pourquoi, au fait, X-Men? Qu'est-ce qui fait le succès de X-Men? Je fais les gens bouger, je pense. Hein. Ça doit être ça. Les gens vont en boîte pour s'amuser, pour danser. Et mes chansons, ben, c'est les sujets principaux, c'est ça, c'est la fête, c'est fais ta tête toucher tes genoux. Voilà, tout simplement. On t'a souvent comparé à Admiralty, tu le prends comme une flatterie ou à un moment donné, ça commence un peu à fatiguer? Ben, sincèrement, j'ai tellement de respect pour Admiral que je ne pourrais même pas me comparer à lui, quoi. C'est Admiral, sans qu'il ne le sache, ça a été un petit peu mon guide, quoi, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à écrire. Et donc, voilà, jusqu'à maintenant, je le respecte énormément. D'ailleurs, j'ai fait une chanson avec lui sur mon album. Ça a été un honneur pour moi d'enregistrer un morceau avec lui. Et donc, voilà. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire chez toi et Martiniquais que je suis, j'ai l'impression que tu te bats beaucoup aussi pour ta Martinique, ton pays. C'est important aussi. Ben, sincèrement, c'est un petit peu, entre guillemets, mon défaut, d'après les médias. À cause de ça, ben, X-Men ne joue pas énormément en Guyane, à La Réunion, Guadeloupe et tout ça. Parce que dans chacune de mes chansons, tu vas toujours entendre Martinique, Madinina qui va revenir. En grand, long et en large. Ben, moi, je pense que les Jamaïcains, quand eux, ils chantent, ils parlent beaucoup de la Jamaïque. Donc, moi, je fais de même, tout simplement. J'aime mon île, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je la représente à 100%. Et puis, ça qui est pas content, ça c'est. Émission diffusée justement sur Canal 10, émission qui sera diffusée sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Paris, et puis téléantilly.com. Qu'est-ce que ton message, X-Men, à la jeunesse qui sort de Guédio, puisque quelque part tu les représentes, ils dansent sur toi, ils sont avec toi, qui sort de Guédio, qui t'es que message où? Ben, sincèrement, je sais que toute influence est quand même bonne. Mais je pense que là, il faudrait que les jeunes, en tout cas les Martiniquais, se rapprochent un petit peu plus de leur île, laisser la Jamaïque un petit peu de côté, les États-Unis un petit peu de côté. Ok, donc voilà, les Gaza Boys et les Gaza Girls, allons arrêter avec ça. C'est Mada, c'est Madinina nous qui a représenté, et puis c'est ça, voilà, c'est le message que je tiens à faire passer. Et le travail, peut-être, on dit que c'est une jeunesse malheureusement en perte de repères, qui ne travaillent pas, c'est un peu difficile, compliqué. Qu'ils ont des guédillots Sincèrement, là, je ne sais pas, mais. En tout cas, je vois de loin que ça ne va pas super bien. Après, je ne sais pas d'où vient le problème, si c'est des médias, si c'est des politiciens. Je ne sais pas qui fait mal son travail, mais en tout cas, bon, je pense qu'il y a un petit peu de travail quand même. Mais bon, après, chaque personne, chaque île a ses défauts, aucun système ne fonctionne bien. Même en France, même les grands pays comme la France, les États-Unis, etc. Est-ce que tu aimes Paris, X-Men? Pas spécialement. Okay. Pas spécialement, mais par contre, ça me fait énormément plaisir de venir chanter pour les Parisiens, pour les négropolitains, quoi, tout simplement, tous les Antillais qui vivent en France. Je fais énormément de prestations dans des petites villes comme Brest, Caen, Toulon, où on les oublie un petit peu parce qu'ils font leurs études là-bas. Il n'y a pas énormément de soirées antillaises. Donc je n'aime pas spécialement la France, mais ça me fait tellement plaisir de venir envoyer une force pour eux que du coup je tiens le coup, quoi.
Tu es accessible ou pas? Dernière question, une adresse internet, Facebook peut-être, X-Man? Alors, il y a la page fan, X-Man, et le Twitter, X-Man officiel. Voilà. Big up à vous, big up à toi surtout, ok? Donc, c'est la première fois qu'on se voit, sincèrement, ça me fait énormément plaisir. Big up à vous, auditeurs, auditrices, big up Madenena, big up Guada, Réunion, Guyane, Afrique, Haïti, tout le monde dans sa force. Tchambi, X-Man de Yamaïk là. Bye.